Chouania. Oh bye maman. Mais où étais-tu depuis tout ce temps? J'étais pourtant là, frérot, j'étais là. T'es là où? Je ne te vois plus depuis dans ce village. Et tu dis que tu étais ici? Ce sont les études, mon frère. Étudier le droit en ville est vraiment stressant. Mais Dieu merci, maintenant je suis diplômé. Oui, pardon? je suis diplômé. Je me prépare maintenant pour ma dernière année de droit. Hé! Chiroya! Mon frère! Tu es diplômé? Diplômé Dieu en droit? Merci. Dieu merci. Je m'en ai qui copie souvent chez moi. Mec, c'était à l'époque, gars, ne parle plus de ça. Hey! On aura tout vu dans ce monde. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Mon frère, tu le vois toi-même, non? Je suis là, je ne bouge pas. Non, mon frère. Cherche à faire quelque chose. Je suis content Bien pour sûr, toi, mon frère. Ça fait trop longtemps. Je suis vraiment content pour toi. Ah, ce n'est pas facile, oh. Ah, non, c'est pas facile. J'ai 6 ans, plus une autre année. 7 ans. Oui, je. Chouania. Mon frère, ce n'est pas facile d'être un homme. Bien sûr que ce n'est pas un petit boulot. Après ça, je vais ouvrir mon cabinet pour exercer mon métier. Dans cette vie, Chiwanya. Oh, okay. Mec. C'est bien. Je dois partir. Sérieux, bonne continuation. Je te souhaite d'avoir du courage. Ok. D'accord? Mais, merci mon frère. Oh bah coco. Et c'est Zona. C'est bon, les bon. Hein? Quel propriétaire de cette belle voiture? C'est ma voiture. En fait, c'est l'une de mes voitures. Ah, la maison que tu vois par là-bas, c'est mon chantier. Je suis juste venu inspecter. Attends. C'est toi qui construis cette maison? Bien sûr. J'ai une autre vers, Onitsha. C'est pas vrai. C'est toi qui construis ce château? J'ai un entrepôt qui se trouve à Onitsha. Hey! Tu as même un entrepôt? C'est pour toi-même? Bien sûr. Mon frère, je suis un homme riche. Ah! T'es sérieux là? Évidemment. Je ne cesserai jamais d'être étonné. Comme tu le sais, ma famille était pauvre. Mon père a décidé de m'envoyer à Onitsha comme un apprenti pour apprendre un métier, donc. Et j'ai bien servi mon patron. Et après 7 ans, il m'a récompensé. Et comme Dieu fait des choses, il m'a béni avec l'opportunité de toute une vie. Et je fais maintenant de l'import et de l'export. Tu importes et tu exportes? Sérieux? Tu as même un entrepôt? Hey! Je retourne à Onitsha. Oh, tu rentres à Onitsha? C'est là-bas qu'il y a mes entreprises. Et tu es Zona? Ah, Miyaka! Hey! Jésus! J'espère que tu ne suces plus ton pouce, hein? Je suce l'argent, mon frère. Je lèche l'argent. Je mange l'argent. Tu suces l'argent? Mon frère, je dois te laisser. On m'attend déjà. Oui. Bon voyage. Eh oui. Ça me dépasse. En plus, il ne suce plus son pouce. Maintenant, il suce de l'argent. Hey! Et tu es Zona, Miyaka. Il construit ce beau château que je vois. Il a même un entrepôt. Eh oui. Pourquoi je croise tous ces gens aujourd'hui? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Regardez, tu es Zona. Non.
Tu es rentré. Comment c'était? Obina. Obina, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu troublée? Maman. Pourquoi papa et toi m'avez amené dans ce monde pour souffrir? Pourquoi? Hey! D'où sors-tu avec tout ça? Hein? Ça vient du fait que je viens de voir Chiwanya en rentrant tout à l'heure. Chiwanya est diplômé. Il est diplômé en droit. Et bientôt, il ira faire un stage dans un cabinet. Et bientôt, il sera un avocat au barreau. Chiwanya que je dépassais à l'école. Chiwanya! Chiwanya qui ne pouvait me dépasser en aucune matière, que ce soit le droit ou la littérature. Chiwanya va bientôt devenir un avocat et moi je suis encore dans ce village. Ou encore Chiozona. Et Chiozona va bientôt finir son duplex. Je connais Chiozona, le fils d'un Toby, qui n'a même pas pu finir le primaire. La simple école primaire, il n'a pas pu finir. Mais maintenant, il est devenu riche. Il a des entreprises à Onitsha. Et moi je suis encore dans ce village. Tous mes égos réussissent dans la vie et moi je suis ici à ne rien faire. Toute ma vie, j'ai vendu du bois à différentes personnes. Un métier, je n'ai pas appris. L'école, je n'ai pas fait. Et tu veux que je sois content? Mon fils, tous les doigts ne sont pas égaux. Maman, maman, laisse cette chanson. Arrête de dire tout ça. Cesse de me donner le plein de raisons. Pourquoi tu décides d'aller chez le petit doigt? Pourquoi n'as-tu pas pris le gros doigt? C'est quoi ce « tous les doigts ne sont pas égaux » Maman, ça ne veut rien dire, absolument rien. Comme vous saviez que vous ne m'enverrez pas à l'école, pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé être apprenti? Au moins, maintenant, on m'aurait libéré. L'école, je ne suis pas allé. Un métier, je n'ai pas appris. Rien, je suis dans ce village à moisir. Et tu me dis que tous les doigts ne sont pas pareils. Maman, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Tu sais, Gojuku, ça sort bien à l'étranger. Rien, tous mes camarades s'en sortent bien. Les gens que j'ai dépassés à l'école. Mon fils, c'est à cause de la mort de ton père. Pas moi. Si ton père était encore vivant, tu serais allé à l'université, c'est ce qu'il voulait. Avant qu'il ne meure. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Tu ne cesses de me dire que je suis le seul, que je suis ton seul fils, que tu ne veux pas que je parte. Tu veux que je reste avec toi? Est-ce que je dois mourir dans ce village? Vais-je mourir dans ce village? Alors tu es content de ma situation? Maman. Je ne trouve pas ça drôle, hein. Je ne trouve pas ça drôle. Traites-tu de voleur? Toi, n'es-tu pas un voleur? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, hein? Si ce n'est voler le nom de Coco, qu'est-ce que tu fais là? Voleur. Tu n'as pas de cervelle, n'est-ce pas? Tu es folle? Tu es folle? Le voleur! Tu as commencé, n'est-ce pas? Voleur! Là où le voleur? Papa, le voici. Que quoi-tu faire là? Hein? Non, que quoi-tu faire là? Je veux cueillir les noix de Coco que je vais amener au marché pour vendre. Tu veux qu'il ait notre coco de qui? Ah, les noix de coco de mon grand-père, bien sûr. Mais c'est pas vrai. Les noix de coco de ton grand-père. Regarde-toi. Ne vous ai-je pas prévenu, ta mère et toi, de ne pas s'approcher de ce cocotier? Pourquoi ne devrais pas s'approcher du cocotier de mon grand-père? C'est ta part? Quoi? Attends, Obina, as-tu planté un cocotier ici? Toi, as-tu planté un cocotier ici? Oh, attends, tu oses me défier? Je te défie pas, pourquoi? Tu oses me défier? Tu as planté un cocotier ici? Ne cueille pas ces noix de coco. Tu as commencé? Tu as commencé? Tu me trouves le problème. Tu ne veux pas le problème. Tu ne veux pas de problème maintenant. Prends juste ta fille et partez chez vous. Attends. S'il te plaît. Arrête ça. Mais c'est que c'est connerie. Je t'avertis, oh. Tu n'as pas le droit de gagner ces noix. Je t'avertis. Tu menaces mon père? Hein? Lâche ça. Tu menaces mon père? Tu es malade? Hein? Je vais te battre. Tu ne touches pas ces noix. Battre qui? Je te battre. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Problème. Tu vois ce sang? C'est quoi ton problème?
Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il ici? Maman, je veux qu'il ait notre coco pour aller vendre au marché demain. Il vient me dire que je ne dois pas qu'il ait notre coco. Pourquoi? Tu sors de notre coco? C'est pour toi. C'est la tête. Tu sors de notre coco? C'est pour toi. Hé, hey, s'il te plaît, Pico. S'il te plaît. Maman, reste là. Attends, mais. S'il te plaît, Pico. Obina. Maman, laisse-moi. Partons, Pico. Obina, laisse tomber. Je t'en supplie, s'il te plaît. Maman, laisse-moi. S'il te plaît. Allons-y, partons. Obina, écoute ta mère. S'il te plaît, laisse tomber. Mon fils Obina, je t'en supplie, écoute-moi. Maman, laisse-moi tranquille, laisse-les avec ses noix. Partons, laisse-les avec ses noix. Je t'en supplie. Écoute-moi, je t'en supplie, mon fils. Je t'en supplie, partons. Laisse-les avec ses noix. Partons, je t'en supplie. On y va, s'il te plaît. Maman, je n'aime pas ça. Je sais. Je sais, c'est bon. Partons. Laisse-moi tranquille. C'est à cause de toi, ça. C'est à cause de toi. Je sais, mon fils. Allons-y, c'est bon. Où est cet idiot? Essaie de revenir. Maman, je n'aime pas ça. Pourquoi tu es sorti? Non, pourquoi tu es sorti? Je voulais voir ce qu'il allait faire. Pourquoi tu es sorti? Obina, laisse-les tranquilles. Laissez qui? Laisse-les tranquilles. Je sais pourquoi je t'ai dit ça. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai peur? Cet homme a pratiquement pris tout ce qui appartient à mon feu père. Non, mais c'est quoi son problème? Il exagère déjà dans cette famille. Est-ce que c'est parce qu'on ne dit rien? Ce ne sont pas les noix de coco. Laisse-le rester avec. Même le terrain que ton père avait. Laisse-le tout arracher. Écoute, ta vie est plus importante pour moi que toutes ces choses. Maman, laisse-moi ça. Laissez quoi à qui? Mais à qui? N'est-ce pas mon héritage? Arrête de me dire de laisser mon héritage juste parce que tu as peur. Maman, c'est quoi? Il va monter la vie? C'est de dire ça, pardon. Ah, qu'est-ce que je fais de mal? Juste parce que je veux qu'il ait les noix de coco que je vais manger. Les noix de coco de mon grand-père. Obina. Mais pourquoi? Obina. Quand un enfant grandit, il ne se soucie pas de demander ce qui a tué son père. La même chose qui a tué son père le tuera aussi. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Laisse-le tout prendre. Le cocotier, oui, le terrain, laisse-le avec ça. Dieu, au ciel, voit tout ça. Et il est le seul vrai juge. Hein? Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de mon défunt père? Obina, il n'y a qu'en fou qu'on dit une énigme et on lui explique. Le sage cherche et trouve la signification de l'énigme. Thank you.
Papa? 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 Ma fille, comment tu vas? Papa, voir ton visage ainsi? Ne me dis pas que tu penses à ce stupide Obinna. Qui? Obinna? Pourquoi? Obinna n'est qu'un petit gamin. Écoute, j'ai des choses bien plus importantes à faire de mon temps. Que je pense? Je n'ai rien à foutre de lui. Ah, j'ai pas de temps pour lui. J'ai pas de temps pour Obinna. Alors, dis-moi. J'espère vraiment. Papa, le repas est prêt. Viens à l'intérieur manger. Le repas? D'accord, d'accord. J'arrive, d'accord. J'arrive. J'espère que c'est ce truc que j'aime. Papa, tu aimes tous mes repas. Tu les aimes tous. Alors ne dis rien. Viens manger. Ah, ma brave fille. Papa, viens manger. D'accord, j'arrive, ok? Je voulais dire ma mère par cette énigme. Est-ce que ça veut dire que tonton Akubo est responsable de la mort de mon père? Non, mon père n'est pas mort empoisonné. Il était malade. Il est mort après une courte maladie. Quelle peut être la signification de cette énigme? Quel rapport y a-t-il entre mon oncle et la mort de mon père? Non, c'est un truc grave. Je dois vraiment prendre ça au sérieux. Je dois découvrir ce que ma mère voulait dire par « Quand un enfant grandit, il ne demande pas ce qui a tué son père, ce qui a tué son père le tueur aussi. » Maman. Mon fils. Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Et s'il te plaît, je veux que tu sois très, très véridique avec moi. Je t'écoute. Énigme. Que tu m'as dite hier. Essayes-tu de me dire que tonton Akubwe a tué mon père? Mon fils, personne n'a jamais vu un couple marié faire l'amour. Même leurs enfants qui vivent dans la même maison. Mais après 9 mois, quand la femme est sur le point d'accoucher, on constate tous qu'ils ont souvent des rapports sexuels. Maman, s'il te plaît, c'est ce que je te demande est très important pour moi. Mais en quoi ça me regarde les maris et les femmes qui font l'amour? Réponds-moi. Essaies-tu de me dire qu'oncle Akubwe a tué mon père? Je croyais avoir accouché un fils sage. Donc à toi de tirer tes conclusions. Attends. Est-ce possible qu'il ait tué mon père juste pour l'écarter du chemin? Et personne n'a aucune preuve de telles allégations? Ce matin-là... Hey. Oh, Naï? Non. Ah, tu es déjà habillée? Est-ce que j'attends quelqu'un? Naï, j'espérais aller avec toi pour que je m'arrête en allant à Ogwa. Je suis en train d'aller au marché d'Ogwa. Ah, Naï, ceci ne te va pas? Ça va, pas de problème. Merci, chérie. Laisse-moi aller chercher mon sac. Tu sais, le grand patron va venir aujourd'hui. Et je ne veux pas
Je ne veux pas que cette tour m'entende encore. Ne t'en fais pas, Naï. Je ne vais pas perdre de temps. Je ne vais pas perdre de temps. Biko, okay, je reviens tout de suite. Pardon, attends-moi. Naï, j'arrive. Je t'attends. Ah, Naï. Bonjour, mon frère. Hey, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors comme ça, vous êtes très bien habillé cet après-midi. Je me demande bien où vous allez. Hein? J'espère que tout va bien. Mon frère, tout va bien. Actuellement, tout va très bien. La société qui veut louer mon terrain près de la rivière m'a appelé. Ils veulent payer 10 millions de naira pendant 10 ans. 10 millions? Oui. Leur grand patron est en ville. Il veut me voir. Ah, hey. Ok. Attends, t'ont-ils demandé de venir avec un proche parent? Hein? Hey, non, mon mari. Non. On ne va pas dans la même direction. Ah bon? Non. On va séparément. Je vais au marché. Elle part à Oko. Moi, je m'arrête avant elle. Oui. D'accord, alors bon sens à toi. Allons-y. Ok, okay. Partez et revenez en paix. Merci, Naï. Que Dieu te bénisse. Passez une bonne. D'accord. Revenez un peu. Tu as vu. Mon mari. Ma chérie. Je suis très sûre que ton frère n'est pas content de ta nouvelle richesse. Comment peux-tu dire un truc pareil? Hey, mon mari, je sais où. Je suis très sûre de ce que je dis. Non, mon frère n'est pas comme ça. Mon mari, est-ce que tu sais que quand nous étions en train de partir, quelque chose m'a dit de me retourner. Et quand je l'ai fait, devine quoi? Quoi? J'ai vu ton frère te regarder avec haine et envie. Dès qu'il m'a vu le regarder, il a détourné les yeux. Et tu dis qu'il n'est pas mauvais. Mon frère n'est pas comme ça. Je suis sûr qu'il est heureux de cet argent que j'ai reçu. J'ai juste donné mon avis. Tu ferais mieux d'y réfléchir. C'est toi qui penses autrement, chérie. Allons-y. Ok, Badagoujamukpomu. J'ai dit ma part. Ok. Naï, comment ça s'est passé? Très bien, chérie. Hein? Le patron était content de me voir. À Kokwana. Ah. D'ici la semaine prochaine, l'appareil arrivera. Sans blague. Et qu'il versera 5 millions dans notre compte. Hey! Et que les autres 5 millions seront donnés dans 6 mois. Hey! Seigneur, merci, tu es grand. Qui suis-je? Hey! Naï. Oui, chérie. Donc, finalement, la richesse viendra dans cette famille. Dieu agit de façon mystérieuse, ma femme. Je t'assure, mon mari. Ah. Dieu est vraiment bon. Hey! Hey! Oh mon Dieu, mon fils Obina. Il sera content d'apprendre ça. Enfin, il pourra poursuivre ses études à l'université. Quand je t'ai dit qu'Obina est à l'université, tu ne m'as pas cru. Naï, comment aurais-je pu te croire? Quand je savais bien que ton entreprise était bien tombée, hein? Il devait aller dans quelle université? Je te l'ai toujours dit, ma chérie. Quand il y a la volonté, il y a un moyen. Tu as raison, mon mari. Hey, tu as raison. Il te connaît. Dis-moi un truc. Ton frère, Nanya Kogwe, hein? Aura-t-il une part dans cet argent? Non. Hein? Oui, notre père a partagé le terrain avant sa mort. Dans ce terrain est mon terrain. Mais de toutes les façons, ne t'en fais pas. Je lui donnerai quelque chose. Là, tu as bien parlé. C'est très bien. Et c'est vraiment très important.
C'est bien, cher. Remercions Dieu. Au moins, ça, il aura quelque chose. Naï, qu'est-ce que tu as? Naï, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Hey, Naï, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé. Hein? Naï, tu dis que tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Pardon, qu'est-ce que tu as mangé? Naï, pardon, arrête ça, ne me fais pas ça, Naï, réveille-toi, ne me fais pas ça, non, Naï, réveille-toi, écoute-moi, je vais chercher une voiture pour qu'on aille à l'hôpital, chérie, Naï, réveille-toi, ne me fais pas ça. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin a dit qu'il était mort depuis. Oui, je m'en souviens, je t'ai retrouvé à l'hôpital. Mais maman, avec toutes ces histoires, tu n'es même pas sûre que c'est lui qui a empoisonné mon père. Ça aurait pu être une simple coïncidence. Écoute d'abord la fin de l'histoire avant de conclure. Oui. Ma femme, tu sais, aucune quantité de larmes ne peut réveiller les morts. Essuie tes larmes. Hein? Attends, tu veux te tuer? Ça ne sert à rien de continuer à pleurer. Hein? Aucune quantité de larmes ou de pleurs ne peut ressusciter des morts. Le mort est mort et le mort est parti. Hein? Au moins, je suis là pour toi. C'est la vérité. Je suis là pour toi. Tu sais, même Obina est aussi là pour toi. Hein? Ça se pleurait, ma chère. Tournons-nous maintenant vers le futur. Hey! Nanya Kokwe. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est à propos de ce terrain. Hein? Ces gens qui ont montré leur intérêt pour le terrain. Ces gens qui venaient de l'entreprise. Où sont-ils? À quel niveau se trouve le business? J'aimerais qu'on tienne le business. Hein? Où sont-ils? À quel niveau? Qu'est-ce que se passe? En quoi ça te concerne? Ma femme, tu sais, même si mon frère est mort, je suis son petit frère. Et selon la tradition, j'hérite de tout ce qu'il avait. Hein? Donc j'aimerais parler à ces hommes et leur passer la nouvelle information. Selon laquelle mon grand frère a encore un petit frère qui est en vie et qui peut gérer cette affaire. Au moins jusqu'à ce qu'Obina soit majeur pour que je le lui lègue. Hein? Donc je veux leur parler, les rencontrer et continuer avec cette affaire. Pour pas que ça échoue parce que mon frère n'est plus là. Voilà, ça n'a aucun sens. Pas vrai? Hein? Ma femme. Naya Kogwe. Hein? N'as-tu pas honte de toi? Honte à toi? Ça veut dire quoi ça? Quel genre d'être humain es-tu? À peine 3 jours. 3 jours après la mort de ton frère. Juste 3 jours. Et tout ce que tu demandes, ce sont ses affaires en cours. Son terrain et ses biens. Quel genre d'être humain es-tu? Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de ton âme. Ferme-la, toi. Non. Tais-toi. Je rejette l'autre. Je rejette ça. Pourquoi avoir honte? Non. Qu'ai-je fait de mal? Dis-moi. Chère femme. Qu'ai-je fait de mal? Je veux simplement que les affaires de mon frère aillent de l'avant. En fait, qu'elles prospèrent encore et encore. Jusqu'à ce qu'on devienne majeur, qu'ils prennent contrôle des affaires. Qu'est-ce que fait de mal? Ok. Si tu veux que les affaires s'arrêtent juste parce que mon frère est mort? Mais non, ma femme, sois sage pour une fois, hein? Pense-y! Ramène ces gens, que je leur parle, je veux leur parler. Les affaires doivent continuer. Hein? Ma femme! Désolé, nous avons appris que c'est la concession de Fenzekwe. Ah oui, c'est vrai, hein? Je suis...
son petit frère, hein? L'unique frère qu'il a sur terre. Vous comprenez? Alors quel est le message? Transmettez-le-moi. Le message est pour sa femme. Le message est pour sa femme? Mais je vous ai dit que je suis son petit frère. Le seul frère qu'il a sur terre, hein? Donc si vous me transmettez le message, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Sa femme sera au courant du message, hein? Alors quel est ce message? Désolé monsieur, mais nous insistons pour voir sa femme. Oui. Vous insistez à voir sa femme? Vous voulez voir sa femme? Votre patron vous a envoyé. Je connais votre patron, hein? C'est un homme riche, hein? Allez, passez-moi le message, il n'y a pas de problème. Monsieur, sa femme. Sa femme? Vous insistez à voir sa femme? Ok, d'accord, pas de problème. Voilà sa maison. Je vais vous y amener. Hein? Allons la voir. Je suis sûr qu'elle est là. D'accord, hein? Merci monsieur. Viens, on y va. Oui, on y va, on y va. On y va. Ogeze, ce jeune homme vient de la société. Le patron leur a donné un message. Tu connais cette entreprise qui est intéressée par le terrain. C'est celui qui peut louer notre terrain, celui qui est près de la rivière. Je pense que c'est... Alors, donnez-nous le message. Hein. C'est la femme de mon défunt frère. Vous pouvez voir comment ça... Alors, donnez-nous le message. Madame, désolé pour la mort de votre mari. Ça ne nous empêche pas de vous dire la raison de notre Exactement. Visite. Notre société nous a envoyé pour venir vous informer que nous ne sommes plus intéressés pour ce business. Parce que nos ingénieurs, après la dernière étude, on a découvert que la rivière est peu profonde pour envoyer nos engins. Nous sommes donc venus vous informer au cas où une autre personne serait intéressée par le terrain, vous pouvez le vendre. C'est pour ça que nous sommes là. Allons-y. J'ai ouais, compris. Merci, Attendez, attendez. Attendez. L'entreprise est plus intéressée. Oui, monsieur. Hey mais... Au revoir, monsieur. J'ai compris. Quoi? Si tu avais vu l'expression de son visage quand ces hommes ont dit qu'ils n'étaient plus intéressés par le terrain, il est évident qu'ils convoitaient le terrain. Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'il a écarté du chemin pour que ce soit lui qui prenne l'argent du bail du terrain. Mais maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela depuis? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela depuis? Tu n'as aucune preuve pour appuyer tout ça. Comment ça, je n'ai pas de preuve? C'est évident. L'as-tu vu empoisonner le repas de ton père? Maman, avec tout ce que tu viens de me dire là, cet homme a tué mon père juste pour recevoir l'argent de ces gens. Il ne s'en tirera pas comme ça. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mon fils, calme-toi. Pourquoi les gens sont si méchants? Calme-toi. Remettons tout ça entre les mains de Dieu. Maman, s'il te plaît, cesse de dire ça. Nous sommes tous chrétiens, cesse de dire ça. Tu savais toutes ces choses, je restais tranquille. Tu crois que c'est la meilleure façon de résoudre ça? Mais c'est clair, c'est plus que clair. Que voulais-tu que je fasse? Me battre? Hey, mais non, mais non. Mais non! Les gens sont très très méchants! Écoute maman, je peux prétendre que tout va bien, que je vais t'écouter, mais retiens mes mots, il ne s'en sortira pas comme ça! Ce n'est pas possible! Jamais de la vie! Je t'ai dit de remettre ça entre les mains du Seigneur. Maman, cesse de me dire ça, bien sûr que toi et moi connaissons Dieu. Cesse juste de parler! Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça depuis? Je ne cessais de te demander, mais tu me racontais des bêtises. Tu me racontais du n'importe quoi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça depuis? Papa? Papa? Qu'est-ce que... Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Regina? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Obinna de mes propres yeux. Oh. Oui. Il était en train de récolter les noix de palme sur le terrain où tu lui as interdit d'entrer. Attends, tu l'as vu? Oui, papa. Papa, dis quelque chose. Que je dise quelque chose? Non! N'est-ce pas c'est dans cette maison qu'il ramènera ses noix de palme? Je ne sais pas. Ne t'en fais pas, je l'attends. Vas-y, ne t'en fais pas. Je l'attends ici. Papa, il doit te rapporter ça haut.
Je l'attends ici. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Qu'il ramène d'abord ses noix de palme. Tu comprends? Ensuite, je saurai quoi faire de lui. Ah! Dans cette maison, je l'attends. Ne t'en fais pas. Hein? T'en fais pas. On verra ça. Ah! Ok. Ce gamin veut goûter à la colère du tigre. Très bien. Il sera servi. Robina, d'où sors-tu avec ces noix de palme? Je veux le savoir. Quel est ce genre de stupide question? Nom de Dieu, moi stupide? Hé, Robina, tu ne ranilles pas avec ces noix de palme. Si tu veux le faire, alors frappe-moi. Je te jure, nom de Dieu, si tu ne t'écartes pas de mon chemin maintenant, ce que je vais te faire, tu n'aimeras pas. Pardon? Tu as besoin d'une noix de palme? Noix, oui. Tu as besoin d'une noix de palme? Oui, tu les as volées dans mon champ. Robina. Écarte-toi, hein! Tu ne passeras pas! Quoi? Tu ne passeras pas! Mais où est-ce que tu crois aller comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois cet homme? Je rentrerai à la maison en paix, ensuite il m'a bloqué! Il me pose des questions! Vous avez une noix de palme? Tu as besoin d'une noix de palme? Oui, ce sont mes noix de palme! Au Sinador, gagnez-nous! Déposez-les ici! Ma vertige! Dégage de ma route! C'est des questions stupides! Des questions stupides! Obina! Naï! Naï! Obina! Ne sois pas! Ne sois pas offensé! Obina! Hey! Obina, oh! C'est mort, Obina, tu n'aurais pas dû faire ça! Hey! Obina m'a tué! Obina m'a tué! Hey! Pourtant, je ne lui ai rien fait! Hey! Je sais pas, Obina m'a tué! Obina m'a tué! Obina m'a tué! Il m'a poussé, je suis tombé! Hey! Obina m'a. Je resterai ici jusqu'à ce que ma fille rentre! Je vais rapporter tout ceci au roi! Je suis un grand notable! Tu me fais honte, Obina, tu me fais honte. Ça, jamais. Hé hey! Obina m'a tué. Je suis mort, Obina m'a tué. Un idiot. Un idiot, je crois que j'ai peur de toi. Ça servait à quoi? Pourquoi l'as-tu poussé? Pourquoi je ne le pousserais pas? Non, dis-moi. Pourquoi je ne pousserai pas ce démon au sol? Pourquoi m'attaquer toujours, chaque fois que je vais récolter, les produits de mon défunt père? Obina! Non, maman, pardon, ne m'appelle pas! Maman, ne m'énerve pas! Ne m'énerve pas! Je ne suis pas heureux dans cette maison! Les égos sont tous en ville à bosser! Ce démon est là, à frustrer ma vie! Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Merci l'eau! La prochaine fois qu'il tente tout ça, hein, si je ne le frappe pas, sache que mon nom n'est pas Obina! Maman, pardon, hein, pardon! Pardon, suis-je vraiment fâché? Hé, hey, Obina, fais je attention. Pourquoi je t'ai poussé. Obina, fais putain, attention, t'as encore fais de faire attention. Ça. Obina, fais attention, oh. Hé, hey, où est ma fille? Obina m'a tué. Obina m'a tué. Hein? Où est-ce que ma fille est partie? Obina m'a tué. Hé! Hey! Ah, papa? Obina m'a tué. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Hé? Eh? Obina m'a tué. Papa, qu'est-ce que tu fais au sol? Obina m'a frappé comme un serpent. Il m'a copieusement frappé. Ce gars m'a sérieusement battu. Obina m'a tué. Obina m'a tué. Attends, papa. Voilà. Papa, tu veux dire qu'Obina a posé ses sales pattes sur toi? C'est exactement ce que je t'ai dit. Obina m'a tué. Obina a dépassé les bornes. Papa, lève-toi d'abord. Obina m'a tué. Papa, ne t'en fais pas. Obina m'a tué. Papa, ne t'en fais pas. Hey! Hey. Papa, ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas. Papa, ne t'en fais pas. Obina m'a tué. Papa, ne t'en fais pas, je peux gérer Obina. Oh. Obina, c'est qui? Ne t'en fais pas. Laisse-moi t'aider. Obina m'a tué. Papa, doucement. Doucement. Je vais m'occuper de lui. Papa, ne t'en fais pas. Obina! Ne t'en fais pas. Obina va payer pour ça. Où est-il? Où est-il? Obina! Obina, viens ici m'affronter. Si tu sais que tu es un homme, viens ici m'affronter, Obina. Viens ici. Obina. Obina, je t'ai dit de sortir de m'affronter. Viens m'affronter si tu es un homme. Viens m'affronter. Pourquoi tu vas boire? Obina, hein? Je suis ici pour te demander. Pourquoi est-ce que tu as frappé mon père? Pourquoi l'as-tu frappé?
Qui a frappé ton père? Moi? Oui. Toi. Tu dois être très stupide. On dirait que t'es pas intelligente. Hein? Tu dois être vraiment folle pour venir ici raconter des sottises. T'es malade? Obina, c'est toi et ta mère qui êtes stupide. Oui. En fait, tu es un idiot pour avoir posé tes sales pattes sur mon père. Tu sais quoi? Tout le village doit être au courant. Je vais dire au Iwe et au Omuna que tu as failli tuer ton vieil oncle. Je vais leur dire. Ils seront au courant. Dégage. Et si je ne pars pas, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage ici! Idiot! On va rester ici! Obina! Non! Ne va pas en ville! Oh. Ne va pas en ville! Pourquoi tu fuis? Ne va pas en ville! Ne va pas en ville! Viens, non, viens! Non, reste ici! Reste ici, affronte mon père et moi! Viens me défier! Reste ici! Obina, tu vas voir! Sorcière! Il vient me poser des questions stupides. Viens ton père d'essayer encore ça. N'importe quoi. Obina. Obina, je n'aime pas la façon dont tu te querelles avec ton oncle et ta cousine. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la façon dont je me querelle? Tu n'aimes pas la façon dont je me querelle? Oui. Parce que j'ai décidé d'arrêter de garder le silence. Parce que j'ai décidé d'arrêter de garder le silence. Maman, laisse-moi tranquille. J'ai commencé avec eux. Trop c'est trop dans cette maison. Tout ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Trop c'est trop. Trop ce n'est pas trop. Écoute, ce n'est que toi que j'ai dans ce monde. Je n'ai que toi. Hein? Ah, laisse ça, qu'est-ce il ne m'arrivera rien. Laisse ça. Pourquoi tu parles des êtres humains comme toi? Ils sont dieux? Pardon, laisse-moi tranquille. Trop, c'est trop. C'est ce que je sais. Obina, ce que tu ignores, c'est que ton cher oncle-là est méchant. Il est capable de faire tout ce qui est mal. Il est capable de rien. Laisse ça, maman. Maman, je n'aime pas ces choses. Hein. Je n'aime pas ça. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Tu leur donnes juste ce qu'ils veulent. Quand je les traiterai comme ça, ils sauront que cette famille a ouvert les yeux. Obina, je t'en supplie, hein? Restez en dehors de tout ça, pardon. Je ne veux pas de problème. Je pense à moi-même. Laisse-moi tranquille. Je pense à moi-même. Je ne suis pas content, donc laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Pardon, écoute-moi. Laisse-les, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-les. Papa, je vais dire à Omuna. Oui. Et je vais aussi devoir rapporter cela à Igwe. Papa, je vais même appeler mon frère Monzo pour qu'il revienne de Lagos. Pour qui? Oh non. Attends, pour qui? Obina! Ce petit rat! Allez, ne perds pas ton temps. Ah. Papa, ce n'est pas une histoire de perte de temps. Papa, Obina a failli me battre après t'avoir battu. Ah! Je dois appeler grand Fernando pour qu'il revienne ici pour lui donner une leçon. Il doit lui donner une leçon. Cette folie doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Attends. Est-ce parce que j'ai laissé Obina? C'est pour ça qu'il s'agite partout comme un singe confus? Hein? Obina a le courage de se rebeller contre nous? Il est malade? Ah! Laisse-moi te dire un truc. Cette main que tu vois a battu. Plus elles sont puissants. J'ai massacré des hommes, des vrais hommes. Mais qui est ce petit rat? Ce bébé rat? Il n'a absolument rien. Hein? Laisse-le. T'en fais pas. N'appelle pas ton frère. Pourquoi vous êtes sûr d'appeler pour qu'il gaspille son temps et son argent pour venir de Lagos? À cause de cet idiot. Laisse-le tranquille. Écoute. Tu sais, quand je vais m'occuper d'Obina, quand je vais en finir avec lui, yeah, je te jure, tu peux me croire qu'il regrettera le jour qu'il est né. Je te jure. Je te dis la vérité. Cette famille ne peut pas nous contenir, Obina et moi. Je vais le finir, je vais m'occuper de lui. Ne t'occupe pas de lui. Ah, Obina, c'est qui? En fait, dis à ton frère qu'au lieu de venir ici, qu'il m'envoie plutôt cet argent. Je vais boire du vin avec. C'est beaucoup mieux. Pourquoi perdre sa santé et son argent à cause d'Obina? Pourquoi? Qui est-il? Obina. Pour avoir dépassé les bornes,
quand tu mâcheras sur cette substance, ta santé ne sera plus la même. Tu partiras en enfer. Obina. Obi. Obina. Obina. Non, Obina, 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 ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Obina, pitié, je t'en supplie. Obina, s'il te plaît, réveille-toi. Obina, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Ah! Maman? Maman? Tu as dormi ici? Mon fils. Quoi? Tu es toujours vivant. Mon fils est toujours vivant. Tu vas bien? Oui. J'ai vu ton oncle dans mes rêves. Il t'a tué. Il est venu faire des incantations. Ah. Oui. Et j'ai pleuré à chaudes larmes quand tu m'as réveillé de ce rêve. Maman. C'est un rapport avec tout ce à quoi tu penses, maman. Si ça te revient dans les rêves, ok? Non, pas du tout. Ce n'est pas ça, Obina. Ça, c'est une révélation de Dieu. Oui, c'est ton oncle. Il a une mauvaise âme. Oui. Dieu nous a révélé pour qu'on prenne des précautions. Et je ne blaguerai pas avec ça. À la première heure, demain. Tu partiras de ce village pour la ville. Pour la ville? Oui. Ah, mais maman, je ne connais personne en ville. Tu n'as pas besoin de connaître quiconque pour rester en vie, mon fils. Écoute, d'autres personnes en ville sont là-bas à bosser dur et ils réussissent. Tu dois chercher tes amis, tes échos, maman, les gens sais. Que tu connais. Je sais. Nous en avons déjà parlé, non? J'irai en ville, mais pas maintenant. Je t'ai dit que je vais épargner assez d'argent, donc si je pars maintenant, je ne pourrai pas m'en sortir. Donc. Ce n'est pas vrai, mon fils. Tu vas partir. Tu ne vas plus vivre dans ce village. Ce n'est pas sauf pour toi. Tu vas partir. Pour que tu restes en vie, tu dois partir à la première heure demain. La première heure demain? Oui. Au premier chant du coq, tu quitteras ce village. Obina, écoute, je veux que tu partes de ce village. Oui, tout de suite. Je ne veux pas que ton oncle, ou sa fille, ou quiconque te voie. Tu dois partir maintenant. Mais attends que le jour se lève, non, maman? Quel jour qui se lève? Ça ne va pas dans ta tête? Je ne veux pas qu'on te voie et tu parles du lever du jour. Vas-y, pars. Je t'accompagne d'abord. Vas-y, pars. Maman, c'est bon, je m'en vais déjà. C'est bien. Prends soin de toi. Oui, je le ferai. Tu sais, tu vas me manquer. Mais ne t'en fais pas, je te mettrai dans mes prières. Hein? Je vais prier pour toi, jour et nuit. Prie toujours, toi aussi. Le matin et avant de dormir. Hein? Bon voyage. Fais un bon voyage. Bye. Vas-y. Au revoir. Fais un bon voyage. Hein? Très bien. Bye. Akrika. Ah, je suis encore revenu. Et pourquoi cette fois-ci? Le fils de mon défunt frère. Obina, tu sais, je ne voulais pas faire quelque chose de drastique depuis tout ce temps. Parce que je pensais vraiment pouvoir les contrôler, sa mère et lui, avec le temps. Que je les mettrais sous mes pieds. Mais j'ai eu tort. Akrika, j'avais tort.
Ce garçon ne m'obéit plus du tout. Il ne me craint plus du tout. Ce garçon ne me respecte plus du tout. En plus de ça, il arrive à contredire mes ordres, mes instructions. Peu importe ce que je dis, il le contredit. Kunozo. Tu sais, le pire dans tout ça, Kirika. Cet idiot m'a frappé sans pitié. Comme un serpent. Il m'a frappé. J'ai frôlé l'évanouissement. Hein? Donc, tu veux que nous l'éliminions maintenant? Akrika, pas seulement l'éliminer. L'éliminer serait trop facile, là. Hein? Avant son élimination, il y a un processus que j'aimerais qu'il suive. Premièrement, son corps devrait commencer à brûler la tête jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, sauf ses os. Hein? Ouais. Ensuite, il souffrira de douleur. Oui, d'affreuses douleurs. Il doit souffrir le martyr. Tout son corps doit lui faire mal. Hein? Pendant un très long moment. Avant qu'il n'aille rejoindre son père. Voilà ce que je veux. Oui! Voilà, c'est ça mon désir, Akrika. N'oublie absolument aucun détail. Prends ce pot. Ah ouais? Prononce son nom trois fois au milieu de la nuit. Dis tout ce que tu veux. Verse la substance là où il va passer. Et tout ce que tu diras se réalisera. Ada wachi chula yesu. Ada make kwereka. Wata mokwe gorebo. Kobo boyo. Akrika. Odogo. C'est vraiment très fort. Ne t'en fais surtout pas. Si tu parviens à réussir, il souffrira vraiment beaucoup. Mes produits marchent toujours à 100%. Je te fais confiance. Tu peux t'en aller. Obina, ce n'est pas facile. Tu te rappelles de tous nos anciens camarades de classe? Certains d'entre eux sont très chanceux. Certains d'entre eux ont des papas riches, des amis de famille riches, des relations. Mais regarde-nous! Nous n'avons personne! Personne! Même si cette situation semble désespérée. Malgré ça, nous allons continuer de travailler jusqu'à ce que Dieu décide de nous sourire. C'est clair, mec. C'est clair. Donc tu disais que tu es un pousseur de bourrette dans la ville. Obina, je peux pas te mentir. C'est ce que je fais, c'est la vérité. Moi, je n'aime pas trop pousser la brouette. Il n'y a pas d'autres métiers disponibles qu'on peut faire. Des jobs moyens en dehors de pousser la brouette. Oui, ça dépend. Ça dépend de ce que tu souhaites faire. Tu as le choix. Certains des gars que tu vois là dehors, beaucoup d'entre eux travaillent à l'usine. Certains sont payés par mois, d'autres par semaine, et moi j'ai décidé d'être mon propre patron. Je peux aller travailler quand je veux, rentrer quand je veux, c'est relax. Et combien gagnes-tu par jour? Je crois que tu ne veux pas le savoir. Eh bien, je gagne environ 2500 naira par jour, parfois moins que ça. Mais un jour, j'ai atteint 3500 naira, en une journée. Ah bon? 3500 naira. Je t'assure. Donc si tu manges maintenant et règles les trucs personnels par jour, combien est-ce qu'il va te rester? Oublie ça. Il vaut mieux que tu restes oisif. Peut-être 450 ou 350. Non, oublie ça. Regarde, c'est mieux que tu restes à ne rien faire, ou tu fais des braquages ou de l'arnaque, tu sais, c'est monnaie courante de nos jours. Non, ceux qui réussissent prennent des risques. Allez, ne le fais pas, mon frère, je te dis, ne le fais pas. Ai-je le choix? Ai-je le choix? Non, je n'ai pas le choix. Je vais le faire. Faisons donc ça. Ce dont nous parlons. Tu sais, tu es le bienvenu. Merci. S'il te plaît, j'ai très très faim. Il n'y a pas quelque chose à manger? Ou c'est 720 que tu as gagné? Thank you.
Papa? Regina, tu reviens du marché, c'est ça? Papa, le soleil chauffe énormément. En plus, je n'ai même pas trouvé tout ce que je cherchais. Laisse-moi te demander un truc. C'est à propos d'Obina. Je ne l'ai pas vu de la journée. Es-tu sûr qu'il est ici? Papa, Obina n'a aucun autre endroit où aller. Oui, je veux dire, il ne peut aller se cacher que dans l'Égypte de sa mère. En fait, papa, laisse-moi te dire. C'est parce qu'on lui a dit que tu voulais te venger. C'est pour ça qu'il se cache. Obina, un petit garçon qui est né hier. J'étais présent quand il est né. En fait, j'ai donné mon argent durement gagné pour payer la dot de sa mère. Maintenant qu'il a grandi, il a l'audace de me défier. Moi. Hey, hey, c'est bien, c'est bien. Et donc on verra jusqu'à quand est-ce qu'il restera. Il compte rester caché. C'est bien, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Je suis en train de sortir. Papa, ne t'en fais pas. Dès que j'arrive à la maison, je m'en vais chez lui. J'irai chez lui. Peu importe où il est caché, il sortira. Oui. Et laisse-le. Je vais voir un ami. S'il te plaît, rassure-toi de cuisiner mon meilleur repas. Tu comprends? Papa, le soleil chauffe trop. Ne va pas loin. T'en fais pas, ma fille. Je vais d'abord voir. Je vais voir mon ami. Repas, tu comprends? Papa, le soleil chauffe trop. Ne va pas loin. T'en fais pas, ma fille. Je vais d'abord voir. Je vais voir mon ami. Les brouettes sont à l'intérieur. 200 naira, c'est ton dépôt quotidien. Si tu réussis à atteindre 50 balles par an, la brouette est à toi. C'est une location-vente? Oui, bien sûr. Ah, c'est trop ça. 50 000 naira pour une brouette? C'est moi que tu demandes? Tu ne sais pas où on vend les brouettes? Mec, fils le con, dégage de là! Afono, s'il te plaît, ne te fâche pas, hein? C'est un bon garçon. C'est juste qu'il vient du village. S'il te plaît. Donc, depuis que je laisse toutes tes choses là, hein? Il se prend pour un grand savant? Non, frère, je ne me prends pas pour un grand savant. J'ai dit juste que... Enlève quelque chose. C'est trop, ça. Mec, tu sais, on a compris ce que t'as dit, ok? Ne t'en fais pas, on va en reparler à côté, ok? Juste nous deux. Après, on reviendra. Nous revenons, d'accord? De toutes les façons, faites comme vous voulez. Ah ah! Mec, tu es Mougou ou quoi? Tu es Mougou? Une boîte coûte combien? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, c'est comme ça que tu te rends esclave dans cette ville? Une boîte coûte combien? Et qu'est-ce que tu racontes? On fait des locations-ventes partout. Mec, laisse ça, ce n'est pas de ça que je parle. Les locations-ventes se font partout. Ce n'est pas ça qui va te faire souffrir comme ça. Et tu prends l'argent et tu donnes à quelqu'un. À combien achètes-tu une brouette? 12 000. Comment tu peux donner 50 000 à quelqu'un pour une brouette? T'as la bouche comme 12 000 naira. Ok, même avec 10 000 naira, peux-tu l'acheter? Mec, oublie ça. Admets d'abord que tu as fait une erreur. Ah, t'es censé être plus sage que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu souffres et tu prends l'argent, tu peux donner à quelqu'un. Pour 50 000, une brouette qui est... Ok, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Ah, il balance sa main et fume une cigarette. Il me demande d'aller prendre la brouette et d'aller travailler pour lui. Obina, calme-toi. Que veux-tu qu'on fasse maintenant? Mec, dans tous les cas, j'ai épargné de l'argent de ma vente du bois du village. Tu peux utiliser ça pour acheter une brouette? Non, même si c'est déjà utilisé, on commence quelque part. Tu parles sérieusement? Eh oui. Mais qu'est-ce qui te prend? T'aurais dû le dire d'entrée de jeu! Par ta faute, nous nous sommes fait ridiculiser! Ce n'est plus une histoire de se ridiculiser, c'est juste que j'ai honte pour toi. Parce que t'es censé être plus sage que ça. Obina, ne m'insulte pas! Même si tu me fais l'esclavage, tu te positionnes, c'est mieux comme blanc t'achète, te mettre une chaîne au cou et il part avec toi. Insulte-moi parce que je suis un travailleur acharné. Insulte-moi parce que je travaille dur. Mec, allons le dire à ce gars qu'on n'achète rien. Viens. Ne va surtout pas là-bas m'insulter, je te connais. Que veux-tu donc qu'on lui dise, hein? Dépêchons-nous de partir d'ici. Ok, partons alors. Ce gars est un criminel, je te dis. Ce gars est un criminel. 500 700
900. 1000. 1200. 1300. 1400. 1540. 1540. Est-ce bien tout l'argent qu'on a gagné aujourd'hui ? Mais oui. On est mieux que les gens qui restent au village sans rien faire. Mon frère... Je suis même au village depuis. Je serais venu ici travailler dur et avoir mon argent. Mon frère, je vais te dire ce que je pense. Tu sais quoi ? Quand on est dans un business légal et qu'on travaille de façon acharnée, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, cela s'avère payant. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est mille fois mieux que de rester à ne rien faire. Je t'assure. Mais qu'est-ce qu'on va même manger ? On doit trouver quelque chose à manger. Tu sais cuisiner ? C'est que les gens ne questionnent ça. Tu cuisines pour ma mère au village. Lisa, ça concernait le village là-bas. On est en ville ici. Comment ça on est en ville ? C'est l'heure qu'on utilise pour préparer la nourriture en ville ? Oublie ça, je te dis. Ah, attends, regarde. On va commencer par les pâtes, d'accord ? Je vais voir avec les points tu sais cuisiner. Comment ça je commence par les pâtes ? Bien sûr. Si je cuisine et que tu ne veux pas manger, c'est ton problème, frère. T'es pas sérieux, je te dis. C'est la poubelle que je mangeais. Quand je cuisinais, je ne mangeais pas. Je ne cuisine pas pour toi. Hein. Et en quoi est-ce que ça me concerne ? Ça veut dire quoi ça ? Tu m'as embauché comme cuisinier ou quoi ? S'il te plaît, s'il te plaît. C'est combien là ? Garde 1000 naira. On va utiliser... Combien est-ce que j'utilise ? On va utiliser... 540 pour acheter les pâtes. Ok. Hein ? Obinna. 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 Je veux que tu sois infecté par une maladie incurable. Ta veuve de mère dépensera toutes ses économies, mais en vain. Ton corps se mettra à pourrir de la tête jusqu'à ce que rien, absolument rien, ne reste de toi. Dès que tu poseras tes pieds sur cette substance, c'est ainsi que commencera ton malheur. Mon frère, au Moïké, aujourd'hui c'est très dur. Je te dis, c'est vraiment dur aujourd'hui. Mec, si cette journée continue comme ça sans que je ne reçoive quelque chose en retour, autant aller à la maison et dormir ou regarder la télé. Je ne peux pas perdre cette journée entièrement. Autant rester à la maison et dormir. Moi, je vais rester là. Ha. Aller à la maison pour aller faire quoi là-bas ? J'attends juste que cette femme qui a dit que je vais lui porter ses boissons, que je sache si ça marche toujours. Si ça ne marche pas, moi-même, je vais aller dormir. Je ne comprends rien aujourd'hui. Même les clients se plaignent. Mec, là, on a mangé hier. Cette femme sait cuisiner, hein ?
Tu veux dire la place où vont Adja, n'est-ce pas? Je t'assure. Je te dis, depuis que je suis ici, les gens ne savent pas préparer. Mon frère, je te dis, c'est la meilleure cuisinière de cette ville. Je t'assure. Je t'assure, elle cuisine bien. Avec sa fille claire de peau qui attire les clients comme un aimant, elle les fait acheter ce qu'elle veut. Je te dis. Cette fille est belle, je ne vais pas te mentir. J'ai fait attention à comment tu l'as regardée la dernière fois où nous y sommes allés. Pourquoi ne pas la regarder? Si tu vois une belle femme, tu ne vas pas la regarder? C'est toi qui devrais regarder. Écoute, tu ferais mieux d'oublier cette fille, d'accord? Tu vois cette fille? Elle voit grand. Elle ne sort qu'avec des hommes très riches. Laisse-moi te dire que jamais elle sortira avec un homme dans ton genre. Mais pourquoi? Continue de demander pourquoi. Non, mais regarde le métier que tu fais, tu ne vaudras rien pour elle. C'est de raconter des bêtises. Ça veut dire quoi, ça? Ce n'est pas l'argent qu'on travaille? Donc c'est mieux que je vole? Ok, va tenter ta chance. Voleur. Va tenter ta chance. Mais je t'aurais prévenu, tu vas t'en mordre les doigts. Attends. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne va pas me regarder? Qui te dit qu'elle ne va pas me regarder? Obina, ne te fais pas ridiculiser dans cette gare. Pardon, laisse ce que tu me racontes là. Je t'aurais prévenu. Comment tu peux dire qu'elle ne va pas me regarder? Essaye, tu verras. J'ai la merde au visage. Va essayer, tu te casseras les dents, tu verras. Mais tu me fais rire. Si je lui dis qu'elle me plaît et elle me rejette, la vie ne va-t-elle pas continuer? Mylène, comment tu vas? Bon après-midi. Bon après-midi. Fiston, ça va? Hélène, serre-moi à manger, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Même pas de bonjour? On se querelle? Hein? Oh gars, pardon, dis ce que tu veux, je suis très occupée. Sans souci, donne-moi juste du riz. Du riz et une viande. Une viande? Oui. J'ajoute du haricot? Non, juste du riz et une viande, ça me va. Pas de haricot. Combien ça fait en tout? Ça va faire 300. 300? Essaie de sourire, non? Hein? Tout le temps tu fronces le visage comme si tu étais querellé avec quelqu'un. T'es une belle fille, hein? Les belles filles ne froncent pas le visage comme ça. Essaie de sourire, non? Hein? La vie n'est pas trop sérieuse comme ça, hein? Hein? Cette vie n'est pas sérieuse comme ça. Essaie de sourire. Quand une personne te parle, okay. Souris. Ça, c'est un restaurant. Un restaurant, pas une salle de comédie. Mais je sais, est-ce que j'ai dit que c'est une boutique de chaussures? Si tu veux rire, tu pars dans une salle de théâtre. Je ne sais pas pourquoi tout le temps ton corps te chauffe comme si tu étais en guerre. Tu fais comme si j'étais venu t'attaquer. Maman, tu cuisines très bien, tu sais. À plus. Merci mon fils. Tu cuisines bien. Merci beaucoup. Essaye de sourire, essaye de sourire. Tu ne bagarres avec personne pour froncer le visage comme ça. Compris? Est-ce que c'est forcé? Souris. Je pars bosser. Ma fille, qui est ce jeune homme? Tu ne le connais pas. N'est-ce pas un Izuna qui l'a amené dans cette gare? Tu imagines ça? Un simple pousseur de brouette qui a des vues sur moi. Hein? Il pense que je suis le genre qu'il va tromper avec sa belle gueule. Beauté mon œil. Mais il t'aime, non? Hein? N'importe quoi. Mon amour, je suis frustré chaque jour qui passe. Est-ce ainsi que je vais continuer ma vie? Est-ce de cette façon que je vais faire de l'argent? Épouser une femme? Acheter une maison, une voiture? Comme font ceux de mon âge? Non. Ne perds pas espoir, bébé. Tu es encore très jeune et tu as un très grand avenir. Je t'ai toujours dit ceci. Je crois énormément en toi. Je crois en ton avenir. Oui. Et je crois que tu vas devenir un homme très riche dans cette ville. Ne sois pas dérangé par les choses qui se passent dans ta vie actuellement.
Ce que le futur te réserve, mon chéri, c'est très grand. Mon amour, ça c'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Tes mots suscitent l'espoir en moi et me poussent à aller de l'avant. Tu es une véritable envoyée de Dieu. Je t'aime aussi. Je t'aime pour qui tu es et non pour ce que tu as. Que tu sois riche ou pauvre, je t'aime comme ça. Oui. Tu me fais me sentir comme un roi maintenant. Arrête. Je t'aime aussi, mon bébé. En fait, je t'aime encore plus. Merci. Mon amour, ce plat est délicieux comme d'habitude. Merci. Je suis contente que tu aimes le repas. J'apprécie. Je suis amoureux de ta nourriture. Bien parlé, mon bébé. Hélène. Hélène. Héléna. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quelqu'un te salue juste si tu fronces le visage comme ça? Hein? C'est moi, non? C'est moi qui ai mangé dans ton restaurant tout à l'heure. Là, là, là. Et alors? Cela te donne-t-il le droit de me stopper de cette façon? Ou bien je ressemble à ces filles de la rue? C'est même quoi ton problème? Calme-toi, non? C'est des salutations, ce ne sont que des salutations. Qu'est-ce qu'il y a de mal, là? Hein? Ne pose plus jamais tes sales mots de pauvreté là sur moi. Ne l'essaye plus. Respecte-toi. Non, mais maintenant, pourquoi tu m'insultes? Maintenant, pourquoi tu m'insultes? Pardon, dégâts ici. Quelqu'un peut plus te saluer? Hein? Juste parce que je te salue, je te prends la tête. Pardon, dégage. Il vit que c'est fachateur et à travers, comme si la vie était sérieuse. Hein? Hélène, elle fonce la face. Cette fille, je ne te blâme pas. Tu sembles très en colère, là. Quelqu'un t'a fait des problèmes? Maman, n'est-ce pas le stupide ami d'Izuna qui est venu manger ici ce matin? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Maman, imagine-toi. Ce gars a eu le toupet de me stopper en route pour me parler. Est-ce qu'il t'a insulté? Est-ce qu'il t'a insulté? Il peut tenter ça, un idiot comme ça. Et pourquoi ta face est comme ça? Maman, je ne suis pas son niveau. Je ne suis pas son niveau, il doit chercher son niveau. Je ne suis pas ses filles de basse classe, il doit chercher son niveau. Maman, s'il te plaît, aide-moi à l'avertir. Avertis-le, parce que la prochaine fois qu'il ose me stopper en route pour me parler, c'est que je vais lui faire. Hélène, calme-toi. As-tu apporté l'argent que je t'ai demandé d'aller chercher? Merci, calme-toi, va à l'intérieur. Il se prend pour un beau gosse, il pense que je mange la beauté. Cette fille, elle est franchement terrible. Elle est trop orgueilleuse, arrogante et irrespectueuse. Je t'assure. Je t'avais prévenu, pourtant. Je t'avais pourtant dit de ne plus faire attention à cette femme. Cette femme ne fait attention qu'aux hommes très riches, je te dis. Et surtout pas aux maîtres dans notre genre. Qu'elle dégage. Elle se prend pour qui? Écoute, dans cette ville, personne ne fera attention à toi. Personne ne te regardera comme un beau gosse. Surtout pas si tu travailles aussi dur que nous pour gagner ta vie. Mon pote, un jour, on va avoir cet argent. On va avoir cet argent. C'est certain, nous ferons de l'argent. Ce que je vais te demander, c'est de te calmer, de te concentrer sur une femme qui en vaille la peine. Une femme décente comme ma copine Nena, par exemple. Quelqu'un qui pourra t'encourager et te supporter dans ces moments difficiles. Mon pote, oublie ça. La seule fille décente qui restait, tu l'as prise. Tu racontes n'importe quoi, il en existe. Il n'y a plus aucune fille décente. Si moi j'ai pu en trouver, toi tu peux en trouver également. Ça. Relax, c'est pour la toute dernière, mon ami. Relax, je te dis qu'il en existe. Elle n'existe plus. Ce que je te dis, c'est la vérité. Calme-toi, je te dis, calme-toi, il en existe. Que je vois là. Mon frère, pardon, laisse. Alors tu ne me crois pas, c'est ça? Je te crois, je te dis ce que je te dis là. Je ne peux pas te croire. Si j'ai pu en trouver une, tu peux en trouver une autre, toi aussi.
Je t'assure, tu peux me croire. Calme-toi juste. Calme-toi. Sans souci. C'est bien. Tu as dit que tu es en train de sortir. Oui, papa. Je vais aller acheter quelque chose. Et quelle sorte de choses veux-tu aller acheter? Papa, je veux faire une sauce. Et il n'y a plus de piment et d'oignons dans cette maison. Adiqué, tu es terrible. Je voulais te demander quelque chose. Ce gars, Dobina, je ne l'ai pas revu depuis ce jour. Papa, donc je ne t'ai pas dit. Que se passe-t-il là? Papa, tu te souviens du jour où il t'a poussé? Mon ami Ouzoma m'a dit que sa mère l'a fait partir de ce village en douce, très tôt le matin quand tout le monde dormait encore. Papa, tu sais quoi? Ils ont peur de nous. C'est pour ça qu'ils se cachent. Ils ont peur. Attends. Tu veux dire qu'il n'est pas? Papa, est-ce que tu l'as vu depuis ce jour? Non. Papa, est-ce que tu connais même le plus drôle? Quelqu'un m'a raconté que Obina rejoint Izuna à Asaba et qu'il pousse des brouettes. Des pousseurs de brouettes. Obina, hey. Pousseur de brouettes. Hey, Ofumbo. Obina. Oka, Sinje. Je t'assure. Hey. Hein? Ofumbo. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il pousse des brouettes. Sa vie n'est même pas belle. Il souffre. Tu devrais être content. Papa? Papa, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi aller te chercher de l'eau. Papa, laisse-moi aller te chercher de l'eau. Va appeler Akrika. Akrika, Akrika, Akrika. Papa, laisse-moi aller te chercher de l'eau. Va appeler Akrika. Va appeler Akrika. Papa? J'ai mal. Au secours. Mon cher, c'est quoi le problème? Laisse-nous ma fille. Que se passe-t-il? Ce garçon a quitté le village bien avant que je vienne chez toi pour prendre. Tu veux dire que ce garçon n'a pas marché sur cette substance jusqu'à présent? Non, pas du tout. Il n'a pas marché. Il n'a pas marché de ça. Hey! Hey! Akarika, mon apoapo, okineniem, hein? Akrika, Akrika, sauve-moi. Il n'a pas marché dessus. Sauve-moi. Hey! S'il te plaît, dis-nous ce qu'il faut faire. J'ai terriblement mal, je ne sais pas quoi faire. Sauve-moi, s'il te plaît, dis-moi quoi faire, Akrika. Hey! Cesse de crier. Hey! Hein? Amenez-boi, boy, boboya. Hey! Amenez-boi, boy, boboya. Akamu, docha. Okalabie, le mou, mamouamu. Olu, boy, 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 ya, nou. Kawe, boy, ya, wofonu. Kawenyo si awenunu. Auna kawaye se veyi. Kawaye mayi gawu. Ezani kawanye veyi. Kawanye meyi wu. Oba di jegana. Bolu fwe ba nu jegeno. E jorgo do fwa du fwe deme. Akrika! Akrika! Papa! Akrika! Je suis fini! Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, tu ne peux pas... Papa, pourquoi est-ce qu'Akirika crie? Tu ne peux pas comprendre. Allez, papa, dis-le-moi. Papa? 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 Allez, papa, parle-moi. Papa? Papa, parle-moi.